Let's begin now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous parler du mouflon corse. Alors pourquoi parle-t-on de mouflon corse? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, le mouflon vient d'Eurasie, où il a été domestiqué durant l'Antiquité. C'est aussi durant cette période qu'il a été importé en Corse et abandonné au profit du mouton qui était plus docile. C'est ainsi que le mouflon s'est dédomestiqué et est retourné totalement à l'état sauvage. C'est autour de 1840 que le mouflon a été introduit en Europe, notamment en France, à des fins de chasse comme gibier, et c'est pour cette raison qu'on le retrouve, notamment dans les forêts de Chambord, dans les forêts de Dordogne, ou bien sur le massif central ou le sud du massif des Alpes. Le mouflon est un animal de la même famille que le mouton, comme lui. On va donc retrouver chez cette espèce les mêmes caractéristiques morphologiques que chez le mouton, à savoir chez le mâle des cornes et une musculature beaucoup plus développée, alors que la femelle, elle, a des cornes beaucoup plus discrètes et un gabarit qui est beaucoup plus fin. D'ailleurs, on nomme le mâle le bélier, la femelle la brebis et les jeunes les agneaux, qui rappellent bien sûr les termes employés pour nominer les sexes et les différences d'âge chez le mouton. Tout comme chez le mouton, on retrouve chez le mouflon un dimorphisme sexuel très marqué, à savoir chez le mâle des cornes d'apparat très développées et des couleurs beaucoup plus nuancées que chez la femelle. Le régime alimentaire du mouflon est très varié et se compose d'herbes et de petits ligneux. C'est pour ça qu'on le retrouve dans des biotopes très divers, comme les forêts ou les prairies. Néanmoins, le mouflon affectionne particulièrement des paysages très ouverts afin de pouvoir voir arriver de loin ses prédateurs naturels tels que le loup ou le lynx. La période de reproduction du mouflon s'étend d'octobre à novembre. Durant cette période, les mâles vont s'affronter pour conquérir les harems de femelles. Suite à cette période, les petits naîtront au printemps. Et en été, on pourra observer de manière très différenciée les mâles qui se regroupent en hardes et les femelles avec leurs petits. Il est aussi possible de voir, durant cette période, des femelles accompagnées de leurs agneaux de l'année précédente. Il faut savoir que le taux de survie des agneaux va dépendre de l'enneigement durant l'hiver. Si l'enneigement est important, supérieur à 50 cm, énormément d'agneaux ne vont pas passer l'hiver et ne vont pas survivre. Et c'est pour cette raison que les mouflons qui vivent en montagne vont passer l'hiver en forêt à plus basse altitude pour préserver leurs jeunes. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur cette espèce exotique qu'est le mouflon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le mouflon n'est pas protégé à l'échelle nationale puisqu'il n'est pas issu naturellement de nos territoires. Il n'y a donc pas d'enjeu de conservation de la biodiversité concernant cette espèce. Cependant, cette espèce est intéressante à observer et joue un rôle dans nos écosystèmes en tant que petit ruminant. J'espère que cette vidéo sur ce mammifère vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à partager cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo sur une nouvelle espèce. Colors to my phone, orange Kool-Aid go good with Patron. Oh no, hell no, boy.